Casarema.fr. Casarema.fr. Et pour les gens qui paient le prix. Et pour les gens qui paient le prix.
Et dis à ton voisin, tu es vraiment. Est-ce que toi tu es vraiment mon voisin? Dis également, c'est rien même pour ces deux ici. Dis-le, j'écoute. Et le vide de rien. Tu nous prends. Le vide de rien. Regardez nos dieux, les têtes qu'on est assis à la côté là, on n'est pas dans la même rue. Dis-le, le fait que tu as un jour là, nous sommes les mêmes marrons. Dis-le, je te vois très loin dans une autre avenue. Et le vide de rien, nous sommes en haut de vie. Dis-le, je te dis, des noms de païens. Dis-le, laisse que le païen. Un autre païen. Possède un autre païen. Amen. Prêt le nom. Amen. L'intimité avec Dieu, con Deus, avec le Saint-Esprit, que j'appelle la communion avec le Saint-Esprit. Et tu le penses et qu'il faut ouvrir, vous et accéder par la foi active. Pela fé ativa. A Bíblia diz na 1 Coríntios chapter 6. A Bíblia diz na 1 Coríntios 6. Verset 17. Versículo 17. Ceux qui sont joints au Seigneur. Aqueles estão junto com o Senhor. Avec lui un même esprit. E são com ele o mesmo espírito. Ele fala, ceux qui sont en intimité avec le Seigneur. Aqueles estão com intimidade com o Senhor. Sont un même esprit avec lui. São com ele com o mesmo espírito. Ceux qui sont en communion avec le Seigneur. Aqueles estão em comunhão com o Senhor. Sont avec lui un même esprit. Estão com ele com o mesmo espírito. Qui sont en Christ, sont en Christ, et qui ne sont pas en communion, mais qui n'ont pas en communion. Il faut activer la foi, activer la foi, pour expérimenter le bonheur de la communion, pour expérimenter la bonance de la communion. On entre là-bas par la foi. Entrons pour aller par la foi. Je ne sais pas si c'est le numéro combien. Non, c'est pas le numéro. Yes. Voilà, comme vous voulez. Vous êtes chez. Regardez Colossiens 3, verset 1 à 3, un autre numéro. Olha para Colossiens 3, versículo 1 à 3. J'appelle ça abiding. Eu chamo de abiding. Abiding, demeurer. E abiding é morar, morada. Pour demeurer en Christ. Para demorar em Cristo. Demeurer dans sa présence. Morar em sua presença. Colossiens 3, 1 à 3. Colossiens 1, 3, 3. Il faut accéder. Temos que acceder. Pela foi. Pela fé. Colossiens 3, 1 à 3. Colossiens 3, 1 à 3. Ils sont morts avec lui. Ils sont morts avec lui. Ils sont assis. Ils sont assis. Ils sont assis. Ils sont avec Christ. Ils sont assis avec Christ. Mais nous ne sommes pas assis avec lui à côté. Nous sommes en Christ. Estamos em Cristo. Christ est en Dieu. Christ est en Dieu. C'est la demeure. Christ est la morada. Tout le monde se dit, je suis temple de Dieu. Tout le monde dit que je suis temple de Dieu. Mais quand on rentre dans les temples qui étaient les images, mas quand entrons dans l'ombre, mas à son palais, on veut voir la gloire de Dieu. Podíamos ver la gloire de Dieu. Et on veut voir les pains. Podíamos ver o pão. Mais nous verrons quand tu dis tu es temple de Dieu. Et bien, vous êtes aussi dans ce temple de Dieu. Où est le pain de la révélation? Où est le pain de la révélation? Où est le parfum de l'adoration? Où est le parfum de l'adoration? Il n'y a pas d'offrande du parfum. Non, on fait de l'offrande. Qui est l'adoration? N'est l'adoration. Où est l'autel du sacrifice? Où est l'autel du sacrifice? Nous ne voulons pas ces corps en train d'être sacrifiés. Non, dis-moi, je suis incapable de prier deux heures. Vous êtes incapable d'orer deux heures. Il n'y a pas de parvis. Non, on parvis. Tu ne peux pas l'autel dans ton parvis. Non, je veux l'autel dans ton parvis. Si tu es le temple. C'est votre temple. Là où tu habites, habite, la demeure on accède par la foi. A morada accede-se pela fé. Où est la cuve? Onde está o cuve? Le miroir de la parole. Onde é o lume da palavra? Pour que l'eau de la parole te lave. Pour que tu sentes la connaissance de Dieu. E sentir o conhecimento de Dieu. Tu n'es pas le temple. Non, t'es au temple. Parce que tu as accepté que tu es temple. Et você aceitou ce temple. Tu n'as pas activé la foi pour devenir temple. Non, ativaste ta fé pour tourner au temple. Il y a des gens qui ont activé leur foi et ils demeurent. Il faut activer en fait une mort. Christ a dit si vous demeurez en moi, que moi je demeure en si moral et mieux moral et vos. Ce n'est pas une chose que Dieu accorde. Non, une chose que Dieu t'accorde. C'est un devoir que toi tu dois faire. Et un devoir que tu dois choisir. Et tout le monde n'arrive pas à faire ce devoir. Tout le monde ne sait pas. Si vous demeurez, c'est votre devoir. C'est une condition que toi tu as remplie. Et une condition que tu priais. C'est un contrat. Et un contrat. Et ce n'est pas tout le monde qui sont en Christ qui demeure. Et tout le monde est en Christ qui meurt. Mais si vous demeurez en moi, c'est demeurer. Conséquence, mes paroles demeurent. Conséquence, la parole demeure. Ce sont ces gens qui ont la demeure spirituelle, qui ont des prières puissantes. Ils disent tout ce que vous demandez, ils vous seront. Pour devenir une demeure, tu as besoin d'activer la foi. Activer la foi. Il y a des gens qui prient. Plus ça, plus ça, plus. Vous savez prier le 30 janvier. Vous savez voir la date de janvier. Le 30 décembre, 31 décembre. Et vous avez prié. Et vous êtes là, non? Combien d'exaucements vous avez déjà? Combien de réponses vous avez déjà? L'année va finir dans quelques jours. Quand va acabar em alguns dias aqui? Rien. Nada. Mais il y a des gens qui savent compter les exaucements de chaque prière. Mas tem pessoas que conseguem contar cada resposta que ele dá até na sua adoração. Por quê? Ils ont la foi active. Eles têm a fé ativa.
vivant et demeurer et permanecer. Et la parole demeure. Il y a parole de et c'est la ma demeure. Il y a bien mon âme. Je la parole. Moi, ça m'aura la parole. Rends ma bouche puissante. Rendez bien mon capitaine. Un mot. Pour ma parole. À cause de ton destin. Quand tu as prié, você orou. Tu dis, Dieu ne me répond pas. Você diz, Deus não me responde. Il y a même des gens qui nous ont enseigné. Há pessoas que nos ensinaram. Je les ai défiés. Et eux, ils disent, quand j'enseigne la prière aujourd'hui, bon, moi, sinon, ils ont dit, aussi. Dieu ne peut répondre par un nom. Il serait que Deus pode responder par un homem. Tu es malade. Você está doente. Dieu ne répond pas par un nom. Deus não responde quand on fait la demande. Quand nous faisons des pedidos. Ah oui, tu sois malade. Alors, nous disons que tu serais malade. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, il vous donnera. Jésus dit, pidirez le nom, mais il vous dira. C'est le oui. Et c'est Amen qui est dans les promesses. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et Amen, c'est la promesse. Mais presque dans l'Ancien Testament. Non, en Antique Testament. La Bible dit en lui. La Bible dit, il n'y a que le oui. Et Amen. Il n'y a pas de nom. Non, il existe un nom. C'est la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance. Amen. Voilà des gens qui sont dans la nouvelle alliance qui vivent l'Ancien Testament. Parlant qui veut entrer dans la nouvelle alliance. C'est le verset de la Bible. Chez lui, il n'y a qu'un oui. Et allez, c'est ainsi. Amen. Il dit Amen. Il a dit à Bartimée, Amen. Dit ça Bartimée, Amen. Traduit dans vos Bibles qu'il se soit fait son foi. Amen. Il s'est traduit dans la Bible. Amen. Amen. Ton pistis. Amen. Ton pistis. Qu'il en soit ainsi selon ta foi. Il s'est ainsi selon ton fait. En lui, il y a Amen. Amen. Traduit dans vos Bibles, en vérité, en vérité, je vous le dis. Il a dit Amen, Amen. Et maintenant, il vous dit, il dit Amen, Amen. L'ego. L'ego. Amen, Amen. Amen, Amen. Je vous le dis. Et vous dis, il n'y a en lui. Et dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Que le oui aussi. Et Amen. Et Amen. Si tu pries les yeux de la nouvelle alliance, donc, tu ne recevras que le oui. Tu recevras aussi. Ou les Amen. Ou dans le Amen. Yes. Ah Dieu, il me répond, il dit non. Dieu, je voudrais te répondre, il dit c'est non. Ah, chez madame, oui. Il se dit pour madame. Tu me demandes pas, c'est dans quel testament. Vous savez quoi le testament, vous? Voilà le problème. Et c'est un problème. Il dit, tout ce que vous demandez en prière, vous pédiez, il y aura. Croyez avoir reçu. Créez déjà le Seigneur. Vous le verrez s'accomplir. Vous savez, je verrai ainsi compris. Si Dieu te dit non, comment tu verras ça? Si Dieu te dit non, comment tu verras ce qui se passe? La nouvelle alliance, la alliance, tout ce que nous demandons, il n'y a que le oui et l'amen. Il n'y a même pas le silence. Et comme réponse. Et tous les hospitaux sont des signes, mais n'est-ce que la réponse? Il n'y a même pas le silence comme réponse. Non, un silence comme réponse. Il y a oui, si, et amen. Il y a tombé quoi? C'est difficile pour un homme d'Ancien Testament en dessus comme toi, tu puisses croire à ce que j'apprécie. Donc, c'est que comme un homme d'Ancien Testament, tu peux te réciter et difficile pour te poser créer aujourd'hui. Va lire ta Bible, commence par Matthieu, va jusqu'à l'Apocalypse. Vé la tua Bible, commence pour Matthieu. Et lis la prière. Il lit sur la oration. Tu verras que le Nouveau Testament n'enseigne que six sortes de prières. Il verra que le Nouveau Testament se enseigne à cinq formes d'oration. L'Ancien Testament a plus de 20 sortes de prières. L'Ancien Testament a plus de 20 types d'orations. Dieu a résumé ça par 6 dans la Nouvelle Alliance. Il a résumé ça pour 6 dans la Nouvelle Alliance. Il interdit à toute personne de la Nouvelle Alliance de faire des prières de l'Ancien Testament. Il interdit à toute personne de la Nouvelle Alliance de faire l'oration de l'Ancien Testament. La Nouvelle Alliance, tu ne peux pas dire à Dieu, sans vous passer les prières dans le fond. Cette prière est de l'Ancien Testament et tu ne peux pas faire ça. Et la personne qui a fait cette prière, c'était David. Jamais on a vu une table, c'est David Mouquet. Comment quelqu'un peut donner des milliards pour construire les temples et il est resté avec combien? C'est cet homme-là qui a dit Pesaré Mouquet, Pesaré Bénédé. Cet homme-là était un milliardaire. Est-ce que la prière qu'il a fait quand il parlait de Mouquet? Allez lui demander. Bon, lui demander. Qu'est-ce que dans le Nouveau Testament, tu dis pour dire à Dieu, si vous me donnez beaucoup, je vais te dégager, si vous me donnez beaucoup, je vais te permettre. Et cette oration fait David. Mais comment Dieu deu beaucoup, si il teve millions ou milliards pour construire le temple? Alors, demandez-vous, quanto que ele ficou com ele? Est-ce que homem era milionaire? Tu ne peux pas prier le psaume de la Nouvelle Alliance. Le Seigneur, que l'air d'un pourrisse, qu'il meure tous mes ennemis. Cette prière est refusée dans la Nouvelle Alliance. Non, pour cela, Seigneur, que tous tes têtes se n'en pourrissent, et qu'il y ait force à mourir. Est-ce que la Seigneur est repoussée dans la Nouvelle Alliance? Voilà le problème. Est-ce que c'est un problème? La Nouvelle Alliance, la Nouvelle Alliance, nous bénissons les ennemis. Nous bénissons les ennemis. Et quand nous bénissons les ennemis, et quand nous bénissons les ennemis, Dieu les maudit. Et Dieu les maudit. Yes. Amen. Alors, yes.
La nouvelle alliance. La nouvelle alliance. S'il faut que tu maudisses. Si c'est possible que vous amalissez. Tu dois bien te regarder. C'est ici qu'on y a le moins de bien. Et si nous jugeons nous-mêmes. Si nous jugeons nous-mêmes. Nous ne serons pas jugés. Nous ne serons jugés. Et ne jugez point. Non jugez. Enfin vous ne serez pas jugés. Pour que vous ne soyez pas jugés. Pour dire l'autorité qui nous a été donnée. Pour les autorités qui nous ont été données. Et pour votre édification. Et si ça devient chicote. Mais si on chicote. Ça ne sera pas bien. Non sera encore. Alors dans la nouvelle alliance, il y a cette nouvelle alliance. Il faut que ce soit Simon le magicien que je maudis. Et que c'est Simon Masque qui a mal sou. Ou bien Elimas le magicien que je l'en veux. Ou Elimas le magique qui a mal sou. Ou bien les faux frères comme Ananias et Saphira. Et il faut Simon comme Ananias et Saphira. C'est pas l'enseignement aujourd'hui. Non, c'est dans mes doigts. Il y a les prières de l'Ancien Testament qui ne sont pas autorisées dans la Nouvelle Alliance. Et il y aura sans doute plus de testament dans autorisé dans la Nouvelle Alliance. Si j'ose faire une prière comme ça, si vous savez que nous faisons une oration ainsi, alors il faut que tu deviennes fou. Il y a ce qui est dans le monde et l'homme. Tu viens devenir fou. Et c'est dans l'homme. Parce que l'autorité que nous avons est très dangereuse. L'autorité que nous avons est très dangereuse. Là, tu vas devenir fou. Pour ici, pour me tourner l'homme. Alors, tant je regarde. Et mais va devoir dire comme Dieu use de patience. Comme Dieu use de patience. La nouvelle alliance, c'est l'amour qui nous fait fonctionner. La nouvelle alliance, c'est l'amour qui nous fait fonctionner. La nouvelle alliance, c'est à lui la vengeance, à lui la rétribution. Toi, tu ne peux pas te venger. La nouvelle alliance, à elle, à vengeance, à rétribution. Tout n'en poche de vengeur. Dans l'Ancien Testament, l'Antique Testament, il louait, il louait Dieu. Et je l'envoie en Dieu. Avec des danses. On danse à Dieu. J'étais dans la chair. Encontrage na carne. Dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance. C'est en esprit en vérité que ça se passe. Et le esprit de vérité qui se passe. Ils étaient charnellement spirituels. Ils étaient charnellement spirituels. Quelle est la connexion? Quelle est la connexion? Avec toutes les portes que j'ai données. J'ai donné 10, n'est-ce pas? Comme des portes. Mais non, je ne sais plus. J'en sais quoi. Quelle est la connexion avec toutes ces portes? Quelle est la connexion avec toutes les portes? 2 Corinthiens 5, verset 7. 2 Corinthiens 5, verset 7. 2 Corinthiens 5, verset 7 déclare: car nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Vous avez dit, non, marchons plus que vivre, je marche plus la fer. Vous allez me corriger. Vous allez me corriger d'accord. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Poxa, esta boa nova anunciada bem assim que é. Já para em outro evangelho. Não, um outro evangelho. Mesmo evangelho foi pregado a Adão. Mas a palavra que lhe foi anunciada. Mas a palavra que lhe foi anunciada. Ele serviu de rien. Não lhe serviu de nada. Servir. Servir. La Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus. Tem servante. É uma servente. Que é um platô. E tem uma placa. Avec tous les biens que les hommes ont besoin de la vie. Que todos os bens que os homens têm para a vida. La parole puisse te servir. Mas pour que la parole puisse te servir. Pour que Dieu te donne la voyance. Pour que Dieu te donne la vidéo. Pour que Dieu te donne les miracles. Pour que Dieu te donne la guérison. Pour que Dieu te donne la guérison. Pour que Dieu accède à toutes les portes que j'ai données. Pour que Dieu accède à toutes les portes que j'ai données. C'est pourquoi la parole ne leur a de rien donné. Et pourquoi la parole ne leur a de rien donné? La Bible dit. La parole ne leur a rien donné. La parole ne leur a de rien donné. Pour une simple raison. Pour une simple raison. Quelle est la raison? Quelle est la raison? Continue la phrase. Continue la phrase. Quelle est la raison? Quelle est la raison? Quelle est la raison? Quelle est la raison? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Parce que non, il contrôle fait à quels qui obéirent. J'aime bien l'anglais. Il y a beaucoup de bien. Je sais sur le grec. C'est pour le grec. The direct mix des affects. Parce que non, il contrôle the word preached. Non, il contrôle a fait la parole qu'il a prêchée. Ils n'ont pas mélangé la foi avec la parole qui leur a été prêchée. Non, mais tout là, on fait la parole qu'il faut la encontrer. Si tu veux que la parole te donne ce qui est écrit dedans. Se você quer que a palavra está escrito dentro. Tu dois mélanger la foi avec la parole. Est-ce que misturer a fé com a palavra? Yes. Les Français disent la parole doit trouver la foi chez toi. A Français disent que pour dire la parole doit encontrer la fé en ti. Mais j'aime ça dans les Grecs. Tu dois mélanger ta foi avec la parole. Et Grecs disent est-ce que misturer ta fé com a palavra? Tu ne peux pas prendre du thé avec de l'eau à part, du thé à part, du sucre à part. Tu dois tout mélanger pour la pénétrer. Tu não podes tomar um café ou água e açúcar e a partir de juntar tudo para tomar esse café ou leite. Combien entendem a palavra? Quantos ouvem a palavra? Ils n'ont pas mélangé la foi à la parole. Mas não misturaram fé e a palavra. Pourquoi la foi de la parole?
ne leur donne pas de service. Plus ne leur rend pas de service. Plus à parole on lui de service. La parole ne leur donne aucune bénédiction. À parole nous donne une bénédiction. Demandez vous sera donné. Bénédiction vous sera donnée. Jésus dit là-bas il n'y a pas de nom. Jésus dit là on demande. Non tenant le pays. Mais les gens priaient de plus. Tant de descendre. Maintenant on a dit de descendre. Jusque là ils n'ont que du silence. Ils sont au silence. Silence comme réponse. Silence comme réponse. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Non, le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible dit demandez, vous recevrez. Le Dieu de la Bible dit c'est pédé. Le prochain verset te sert et te donne la réponse de oui de Dieu. Tu dois mélanger la foi au verset. Et cette parole va te servir dans la vie. Est-ce que Monsieur doit faire pour cette parole? Il n'y a pas de mélange. Non, non, mais c'est la foi avec la parole. La vie à parole. C'est au service. Il sera au service. Tu n'as aucun témoignage. Vous sentez un monde. On va finir l'année ici. Il y a des gens qui m'ont reçu deux réponses. Il va vous donner un monde. Mais les réponses sont parce que quelqu'un a profité sur toi et tu as vu ça s'accomplir. Il y a reste la réponse de passer bien profiter et vous êtes venu ici. Mais toi-même tu as prié depuis le 30 décembre. Você mesmo que orou de 30 de dezembro até aqui, no ponto da onde você não recebeu nada. Por quê? A fé. Não foi ativada. Quatro chaves rapidamente. Para fazer crescer a fé. Para crescer ou ativar a fé. Je vous ai montré dans Romains chapitre 12, verset 3. Il n'y a pas de chrétiens qui n'ont pas, qui n'aient pas de foi. Tout le monde a une mesure. Grande ou petite. Romains 12, 13, que tout le monde, tous les chrétiens, tout le monde a de foi. Ninguém vai dizer que não tem a fé. Pour transporter la montagne, Jésus a dit si vous aviez, dans le passé, de la foi. Para transformar o mundo, Jésus disse se vocês tivessem a fé. Il n'a pas dit si vous avez. Não disse se vocês têm a fé. Si vous aviez. Se vocês tivessem. C'est que nous voulons faire maintenant. Porque o que nós queremos fazer agora. La foi de la chose que j'ai fait maintenant. A fé da coisa que eu vou l'avoir eu hier ou avant. Tinha que ter isto ontem ou muito antes. Est-ce que quelqu'un doit m'entendre? Alguém está a entender? Le jeûne de la prière que je sors, je le fais maintenant. O jejum de oração que eu vou fazer agora. C'est pour les choses que j'ai fait l'année prochaine. É para as coisas que eu vou fazer no próximo ano. Les choses que j'ai fait cette année. As coisas que fazer esse ano. J'ai reçu la foi de ces choses l'année passée. Eu recebi a fé dessas coisas no ano passado. Are you hearing me? Será que vocês estão me ouvindo? Vous échouez. Vocês fracassam. Parce que vous voulez avoir. Você quer ter a fé. Je sais si vous aviez. Je sais si vocês tivessem. Bien la foi. A fé. Vous direz à cette montagne. Você diria a este monte. Présent. Présent. Entrez là. Il sait de là. Je prends la main. Il joue avec la foi d'avoir les résultats du présent. A fé pour rester dans le présent. Nous la recevons hier. Nous recevons ontem. C'est aujourd'hui. Et aujourd'hui. C'est pour demain. Et pour la manhã. Amen. Merci. Ok. Muito bem. Então, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Je vais te montrer quand est-ce qu'il faut avoir la foi instantanée. Vou te mostrar quando é que deve ser a fé instantânea. Pour une action de maintenant. Para uma ação de agora. Là, c'est une exception. Aí uma exceção. Première clé. Primeira chave. Pour accroître la mesure de la foi que tu as. Para aumentar a medida de fé que você tem. Et commencer à opérer dans le don. E começar a operar no don. C'est le jeûne et la prière. É o jejum e a oração. Voilà là où je viens pour répondre à des gens qui font des jeûnes inutilement. Et de là où vous cherchez la délivrance. Para dire responder aux sages-femmes jejum. Alors le jeûne et la prière, c'est fait pour accroître la foi. Ou alors, o jejum est chamado para fazer crescer na tua fé. Dans Matthieu chapitre 17. No livro de Matthieu chapitre 17. Verset 15 à 21. On amena aux apôtres de Jésus. Trouxeram aos apôtres de Jésus. Un enfant qui souffrait de maladies de pilosie. Trouxeram uma criança sofria de doença de pilosie. Ils ont commencé à chasser les démons. Começaram a expulsar demônios. Alors que dans Matthieu 10, ils avaient le pouvoir. Ora, no Matthieu 10, tinham poder. Que Jésus leur a donné pour chasser toute maladie, tout démon, les guérir. Jésus se deu para expulsar todos os demônios e todas as doenças. Matthieu 17. Matthieu 17. 15 à 21. Eles tinham curado. Les démons n'est pas sorti. Os demônios não saíram. Jesus desceu da montanha. Jesus desceu do monte. Ele chassou os demônios. Expulsou os demônios. Afinal de contas. E antes de curar. Alors, ele arrivou à la maison. A criança foi curar chegando em casa. Eu pose la question. Colocou uma questão. Où se trouve l'enfant? Aonde encontra a criança? Ele é parti chez lui. Ele foi à casa deles. Qui arrive à la maison? Quem chegou em casa? Jesus e seus apóstolos. Jesus e seus apóstolos. L'enfant possédé n'est pas ici. A criança possédée já não estava aqui. Il est déjà parti avec sa guérison. Já se foi embora com sua cura. Si l'enfant n'était pas encore délivré. Se a criança não fosse ainda liberta. Les paroles du verset 1 ainsi qu'on peut l'interpréter auront lieu et raison d'être. E a palavra aqui no versículo 1 podia ter razão de ser. Que pour faire délivrer quelqu'un, il faut le faire gêner et vous aussi vous devez gêner. Que para libertar alguém, a pessoa tem que jejuar e você também que vai orar tem que jejuar. Parce que c'est ce que vous prêchez dans vos églises. É isso que vocês pregam nas igrejas. Pour délivrer quelqu'un, la personne qui est possédée doit gêner et toi aussi tu dois gêner. Para libertar a pessoa que está possédée tem que jejuar.
interprétação. Mais le contexte est clair. Mas o contexto está claro. L'enfant est déjà guéri, oui ou non? A criança está curada, sim ou não? Il est parti chez lui, oui ou non? Oui. Foi em sua casa já. Nous sommes dans la maison de Jésus. Estamos aqui na casa de Jesus. Avec lui et ses apôtres. Com Jesus e seus apóstolos. Question. Questão. Pourquoi nous les apôtres? Por que nós os apóstolos? Nous avons. Você nos ouviu? Mateus 10. Nous n'avons pas pu chasser ce démon. Mas não podíamos expulsar esse demônio. Jésus répondeu. C'est à cause de votre incrédulité. Ça c'est en français. En portugais. Qui sont incrédules? Quem são incrédulos? L'enfant. É a criança. Il n'est pas là. Que já não estava lá. Les apôtres. Et os apóstolos. Ils ont l'option. Eles tiveram unção. Mais ils n'ont pas pu délivrer. Mas não podiam libertar. Ils ont le don. Tiveram don. Mais ils ne peuvent pas exercer le don. Mas não podiam exercer o don. Pourquoi? Porque? Ils sont incrédules. Et eram incrédulos. Le mot traduit par incrédulité, c'est la parole par incrédulité. Le grec, no greco, c'est le mot qui signifie petite foi. Et la parole qui signifie pouca fé. Petite foi. A pouca fé. Dans le sens de faible foi. Nous sentons de ma fé fraca. Petite, pas dans le sens de la qualité, de la quantité. Pequena no sentido da quantidade. Mais petite dans le sens de faiblesse. Mas pequeno também no sentido da fraqueza. Fraco. Faible foi. Uma fé fraca. Il dit, c'est à cause de votre faiblesse dans la foi. Il dit, por causa da vossa fraqueza na fé. Maintenant, e agora? Jésus dit, je vais vous montrer comment rendre cette foi faible forte. Je dis, como vamos mostrar como render esta fé fraca forte. Comment fortifier la foi. Como fortificar a fé. Il dit, cette sorte là. Diz, este tipo aí. Dans les textes originaux. Nos textos originais. Le mot ajouté dans vos Bibles, démon, n'existe pas au verset 21. A palavra ajoutada na vossa Bíblia, demônio, não existe no versículo 21. Dans vos Bibles, on a ajouté des choses que Jésus n'a pas dit. Cette sorte de démon. Esse sorte de démon. Jésus n'a pas dit ça. Jesus nunca disse esse tipo de demônio. Esta palavra foi juntada. Daimonia n'existe pas dans les textes originaux de grec. Daimonia não existe no texto original. Il a dit cette sorte. Diz este tipo. Quel était le sujet? Quando fosse l'incrédulité. A incredulidade. La faiblesse de la foi. A fraqueza da fé. Cette sorte de faiblesse de la foi. Esse tipo da fraqueza da fé. Ne sort. Não sai. Ne change. Não muda. Par le jeûne et la prière. É só pelo jejum e oração. Un homme qui veut grandir dans la foi. O homem que quer crescer na fé. Moi, je n'ai pas eu. Tem que jejuar e orar. Quelques jours, nous aurons encore une autre conférence qui n'est pas une école de voyance. Ça sera une autre école du ministère. E alguns dias teremos uma outra escola de ministério. Un autre qui est intitulé comment marcher dans l'onction. E uma outra tem título como operar na unção. Je reviendrai sur ce même principe. E vou falar sobre o mesmo princípio como marchar na unção. Quando tu sens une diminution d'onction. Quando você sente a diminuição da unção. Jeûne et prie. Jejua e ora. L'onction va augmenter. A unção vai aumentar. Amém. Voilà as coisas que nós vamos fazer plusieurs années pour que nous gardions l'onction du Seigneur. Isso é o que nós fizemos e fazemos há muitos anos para preservar a unção que nós temos. Le jeûne dans l'Ancien Testament. O jejum no Antigo Testamento. Était une décision des hommes. Foi uma decisão dos homens. Et parfois était une proposition de Dieu. E às vezes foi uma proposição de Deus. Mais dans la nouvelle alliance. Mas na nova aliança. Il n'y a pas une place dans le Nouveau Testament de Matthieu Apocalypse où Dieu ordonne à l'homme de jeûner. Il dit lorsque vous jeûnez. Et ça signifie, vous devez voir quand est-ce que votre foi est devenue faible et vous n'arrivez plus à opérer dans l'onction. C'est là le moment de jeûner, c'est là le moment de commencer à prier. Et dans le jeûne de Matthieu, Apocalypse, non, tu n'as un lieu qui autorise à jeûner dès que je jeûne. Mais ici, il dit, quand je jeûne, quer dizer, vocês têm que ver quando vocês estão fracos na fé, é aí que vocês têm que usar para que vossa unção tenha que aumentar. Est-ce que quelqu'un qui m'entend ici? Será que alguém está entendendo? Écoutez-moi. Escuta-me. Qui va gêner pour que la foi grandisse? C'est celui qui a une mesure de foi. Et il va se jouer. Aquel qui n'a pas la foi ne veut pas gêner prier parce qu'il n'a pas de foi fortifiée. E aquele que vai jejuar é aquele que tem uma fé fraca para aumentar, mas aquele que não tem fé não vai orar porque não tem nada a fé para fortificar. Por lui, a foi vem de ce qu'il entend, il doit entendre l'évangile, l'évangile vai lhe donner la foi para ele sauver. Para ele tem que ouvir o evangelho e ter a fé para ser salvo. Mas a toi qui as écouté l'évangile, que tu es sauvé. Mas tu que mudaste de conversão, tem uma medida de fé. Le même principe. Meu princípio. Tu dois d'abord avoir reçu l'onction.
está primeiro sobre a unção, porque tu puisses gerer e prier pour qu'elle croisse. Para que possa jejuar e orar e a unção crescer. Alors nous avons plusieurs onctions, je vais enseigner ça là-bas, c'est pas ici. E temos várias unções, vamos ensinar lá. E a l'onction. Tem a unção para libertar as pessoas. Que tu ne puisses pas faire du matin jusqu'au soir en train de délivrer une personne. Para que tu não possas passar de manhã até tarde somente a libertar uma pessoa. É uma unção. Tem uma unção. On doit te donner ça. Isso tem que ser dado. Tu vas gêner pour qu'elle grandisse. Depois tem que jejuar para crescer. Il y a une onction pour prophétiser. Tem uma unção para profetizar. Tens que receber isto. Depois tens que começar a jejuar para vir. Aquilo que você não tem, não pode jejuar para isso crescer. Tens que procurar para o que vem. Depois vais jejuar e orar para isso crescer. Se você não tem a unção para curar tudo, primeiro tem que procurar que venha. Depois vais jejuar para isso crescer. Ok, c'est pour l'enseignement qui va venir. Muito bem, para o ensinamento que vai vir. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est là l'importance des prières que nous faisons ici qu'on appelle des affectations. Nous prêchons, nous déclarons, nous prions pour des gens. Parce qu'il faut que les gens entrent pour que ça puisse grandir. E é por isso que nós oramos e afectamos. Porque é preciso que alguma coisa entre para poder crescer. Le jeûne et la prière. O jejum e a oração. C'était les remèdes. Eram remédios. Contre la faiblesse de la foi. Contra a fraqueza da fé. Quand tu sens que ta foi est petite. Quando você sente que a tua fé é pequena. Tu opères dans les dons. Você opera tu n'as pas de résultats. Não tem resultado. Alors que tu crois que tu sais pas, tu crois. Tu sais qu'on t'avait communiqué cette grâce. Você sabe que foram comunicando esta graça. Maintenant il faut gêner et prier. Agora tem que jejuar e orar. Pour que elle grandisse. Para que isso possa crescer. Je jeûne. Eu jejuo. Je prie. Eu oro. Para duas grandes razões. Três grandes razões. Quando je sens mon onction descendre. Quando sinto minha unção baixar. Je jeûne et je prie pour que l'onction. Jejuo e oro para o se renouvelle. Se renova. Quand je prépare une année. Quando preparo ano. Dieu m'a révélé l'année. Deus me revelou o ano. Alors pour que je sois étudié dans l'année qui vient. Para que seja o último. J'entre le jeûne pour être préparé. Entre no jejum para estar preparado. Sache la foi pour l'année prochaine. Et a fé para o próximo ano. Je jeûne. Eu jejuo. Pour rendre grâce à Dieu. Para render graças a Deus. Après avoir. Depois. Traversé des zones de turbulence. Traversar ondas de turbulências. Après avoir. Depois. Vu Dieu m'utiliser. Deus ser usado. Très souvent. Muitas vezes. Je veux dans mes services. Eu vejo nos meus serviços. Sans jeûne. Sem jejum. C'est ça mon principe. Este é meu princípio. Je jeûne pas. Eu não jejuo. Je dis à Dieu, je m'en vais. Eu digo a Deus, vou ver. Je vais aller voir telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Vou ver tal coisa, tal coisa, tal coisa. Et après, depois, quand je vois ces choses, quando vou ver essas coisas, je vais revenir te dire merci en jeûne. Eu vou voltar a dizer obrigado no jejum e oração. Mes jeûnes sont des jeûnes d'action de grâce. Meus jejuns são jejuns de ação de graça. C'est ça qu'on appelle dans Actes chapitre 13, il jeûnait pendant qu'il servait Dieu. Et isso é no Actes 13 que jejuava enquanto servia a Deus. C'est pas il jeûnait pendant qu'il prêchait. De mon servir Dieu ici, ils étaient en train d'exalter Dieu, de rendre service à Dieu, de remercier Dieu pour les avoir utilisés dans l'église. E não é por quanto pregava, mas sim era render em graça depois de ver ser usado por Deus na igreja. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris là? Será que alguém está entendendo? São les trois. São três princípios. Princípios pour gêner. Princípios para hoje. Je promets à Dieu le vœu de jeûne. Eu prometo a Deus votos de jejum. Si cette activité réussisse, se essa atividade dá certo, je vais revenir. Et vou voltar. Quelle que soit la fatigue. Qual que seja a fatiga. Je veux prier jusqu'au matin quand je vais repartir encore prêcher. Et eu vou prier até de manhã, até de manhã quando voltar para pregar. Ça c'est ma manière de lui dire merci. Essa é minha maneira de dizer obrigado. C'est pourquoi ça réussit toujours. Por isso tem sempre êxito. Quand je vais finir l'activité, je vais jeûner et prier. Jejuar e orar. Toi, tu as le séminaire la semaine prochaine, tu jeûnes cette semaine. Tu tens seminário na próxima semana, mas ora esta semana. Tu ne peux pas avoir la foi pour l'activité, c'est pourquoi après le séminaire, tu n'as plus de puissance. Por isso, depois do seminário, você não tem poder. Nous avons l'onction. Nós temos a unção. Après l'activité, l'onction. Depois l'activité, l'onction. Depois l'activité, l'onction. Après l'activité, l'onction. Depois l'activité, l'onction. Sans l'activité, l'onction. Sem l'activité, l'onction. Parce que nous avons des secrets. Porque nós temos segredos. Quand toi tu te reposes, tu es content de victoire. Vous êtes content de victoire. Il y a des gens qui jeûnent. Des personnes qui jeûnent. Des gens qui font du vie. Des personnes qui font des vigiles. Quand la guerre est finie, quand la guerre acaba, c'est là où les gens sont en train de prier et de faire des veillées et faire des vigiles. Moi qui jeûne, vous êtes jeûne. Pendant la guerre. Et durant la guerre. Il est rare que je sois
soit en jeûne quand je fais les activités. Et ça tombe dans cette période quand je suis en train de préparer l'année prochaine. Il était le cas, je vais manger boire chaque jour. Et il y aura la parole chaque jour. Pourquoi la réussite d'aujourd'hui de cette année, je l'ai reçu l'année passée. Est-ce qu'il y a recevé no ano passado? Toutes choses qu'on prépare lointainement. Toutes les choses que la présidence prépare longuement. A plus d'efficacité dans sa réussite. Des moins efficaces lointaines. Toutes choses qu'on prépare à la hâte échouent toujours, même si vous croyez qu'elle a réussi. Ce n'est pas un bon succès. Et toutes les choses que la présidence immédiatement, c'est un fracas, même quand nous achetons que nous avons une victoire. On ne prépare pas les choses le mois prochain, on aura la chose, on en a les fêtes maintenant. Et ça, c'est pour échouer. Não podemos pegar algo que vai acontecer no próximo ano e ter no reitero agora. É um fracasso. O resultado não demeure para os homens que vos escutam. Por isso, o vosso resultado não permanece, não tem vida nos homens que vos escutam. Ils sont tombés, ils se sont relevés. Eles depois da atividade. Vous ne voyez plus personne opérer dans son ministère avec les grâces qui étaient distribuées. Parce que le résultat est faible. E por isso, depois de tempo, não verá a vossa graça operar por tudo. Preparação proche. É uma preparação muito próxima. À la hâte. E foi à medida imediatamente. Jésus s'est préparé 30 ans pour un ministère de 3 ans. Jésus se préparou 30 ans pour un ministère de 3 ans. Moïse se prépare 80 ans pour un ministère de 40 ans. Moïse se prépare 80 ans pour un ministère de 40 ans. Jean-Baptiste se prépare 30 ans pour un ministère de 6 mois. Jean-Baptiste se prépare 30 ans pour un ministère de 6 mois. Quel impact. Quel impact ils aujourd'hui tu parles encore de cette histoire. Mais vous allez parler de cette histoire. On va terminer. Vamos terminar. Qui est avec moi qui comprend? Quem já entendeu? Qui est avec moi qui comprend? Quem está comigo entendeu? Dans Jacques chapitre 4, verset 8, voici le principe. Tiago 4, 8, vê o princípio. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Jacques 4, verset 8. Tiago 4, 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Regardez dans le Nouveau Testament. Olha no Novo Testamento. Il n'y a pas un verset qui dit si vous gênez. Não, o versículo diz se vous jejuais. Ce n'est pas Dieu qui envoie les gens dans la nouvelle alliance. Dieu n'envoie pas les chrétiens pour gêner avant que ça soit par une prophétie. Deus não envia ninguém para jejuar, ao menos que seja uma profecia. C'est toi qui dois trouver le moment de jeûner. Et tu dois encontrar o momento para jejuar. Je t'ai donné les trois bons moments pour jeûner. Eu tenho três bons momentos para jejuar. Et pour le cas de l'espèce ici, le cas de l'espèce ici, quand ta foi est faible, c'est le moment de jeûner. E uma das espécies aqui, quando a tua fé está fraca, é o momento de jejuar. Pourquoi? Por quê? Pendant le jeûne. Porque durante o jejum, fazemos três coisas. On fait l'introspection. Dizemos a introspecção. Tu contrôles ta vie pour savoir. Quelles sont les choses qui ont fermé que je puisse devenir lourd pour que les dons ne réussissent pas? Vous allez voir quelles choses que j'ai faites pour que mes dons se pesent et non conseguir. Cette réflexion va te révéler tous les défauts là où tu as échoué. Esta reflexão vai te levar para onde você fracassou. Tu écris ça sur un papier. Vous écrivez sur un papier. Tous ces péchés là. Et tous ces pécages. Tu les transformes en prière de oh Dieu. J'accepte que j'ai commis une erreur, pardonne-moi ici. Et vous transformez ce pécage en oration. Ça vient de prier. On ne peut pas gêner et ne pas prier. Non, podemos jejuar et não orar. Si tu jeûnes et tu n'as pas prié. Você jejua e não ora. Tu fais le régime. Vous faites le régime. C'est pas un jeûne. Non, un jejou. Ça va? Et tout bien. C'est pour bien, c'est pour ton ventre. Et bien pour ton ventre. Et pour ta graisse. Et pour ta gordure. Mais ça ne va pas te donner la foi. Mais non, va être la foi. Quand on jeûne, quand on se jejoua, on fait trois choses. La première, l'introspection. La deuxième, c'est la prière. C'est nos trois choses, la réflexion et depois l'oration. La troisième, la terceira, c'est la méditation de la parole. Et la méditation de la parole. Tu ne peux pas jeûner et ne pas méditer la Bible. Non, pour jejouer et non méditer la Bible. Le moment où je découvre des nouvelles choses dans la Bible, dans les versets que j'ai déjà prêchés, que j'ai lus. C'est quand je jeûne et prie. Le moment que je découvre nouvelles choses dans la Bible, le verset que j'ai lu et quand je jeûne et ora. Tout ce que tu lis et tout ce que vous savez, tu dans un cahier, vous écrivez dans un cahier. Ce que tu comprends, que vous comprenez, tu l'écris, vous écrivez. Ta compréhension, il y a ta compréhension. C'est transformé en prière, c'est transformé en oration. Soit tu vas demander à Dieu de te secourir, ou on va prier Dieu pour te secourir. Soit tu vas demander à Dieu merci, ou on va prier Dieu obligado. Soit tu vas prier, oh, je vais faire ça, je vais faire ça. Ou vous dire, est-ce que vous parlez, est-ce que vous parlez isso? L'introspection se transforme en prière. L'introspection se transforme en oration. La méditation se transforme en prière. La méditation se transforme en oração. Trois choses ici, il n'y en a pas dans ton jeûne, tu fais le régime. Ces trois choses non dans le nom de Jésus, você acaba de fazer o régime. Il y a quelqu'un qui m'a entendu là? C'est là qu'il y a quelqu'un qui m'a entendu.
La balle est dans ton camp. Alguém está do teu lado. La balle est dans ton camp. Il dit, lorsque vous gênez, expande ce joie. N'ayez pas l'air comme les hypocrites. Não tenha temente nos corpos. Il n'a pas dit si vous gênez. Il dit lorsque. D'ici quando? Quand le moment est venu, vous sentez l'ancien faible ou la foi est faible. Gênez. Quando a fé está fraca ou até a moça está feita fraca, jejue. Il paraît bon. Il dit, mettez de l'huile sur votre tête. Judas 1, 20. Il dit, vous mes chers
frères. Vos meus queridos irmãos. Edifiez-vous. Edificai-vos. Dans votre très sainte foi. Na vossa santíssima fé. Je vais vous édifier. Vou mudar a palavra edificação. Augmentez votre foi. Aumentai vossa fé. Qui est sacré. Qui est sagrada. En priant par l'Esprit Saint. Orando pelo Espírito Santo. Augmentez votre foi sacrée. Aumentai vossa fé sagrada. En priant par la foi. Orando par l'Esprit. Orando pelo Espírito. Augmentez votre très sainte foi. Aumentai vossa santa fé. En priant par l'Esprit. Orando pelo Espírito. La prière en esprit. A oração em espírito. Augmente la foi. Aumenta a fé. Tu ne peux pas prier en esprit si tu n'as pas la foi. Não posso orar em espírito se não tens a fé. Regardez ce qu'il dit. Augmentez votre foi en priant par l'esprit. Et juste augmentez votre foi orando no espírito. Il y a des gens qui prient en esprit seulement quand ils sont en train de prier Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et à un moment donné, ils disent, dis-moi, je suis là, 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 comme tu utilises la langue humaine que tu connais pour parler sans prier. Como você ora a língua humana para falar sem orar. La même chose qui utilise la langue du ciel pour augmenter ta foi sans que Dieu te demande de le faire. É a mesma coisa que usar a língua dos céus para aumentar a fé sem Deus te pedir a fazer. Regardez dans 1 Coríntios 14. Olha na 1 Coríntios 14. L'apôtre Paul, o apóstolo Paulo, diz, je prierai en esprit. Eu orarei no espírito. Et conjonction, je prierai avec intelligence. Et orarai com inteligência. Quelle est la première chose, la première prière à faire? Quelle est la première oração? En esprit. En esprit. Quelle est la dernière prière à faire? A segunda oração. Avec intelligence. Com inteligência. Maintenant, vous les chrétiens, quelle est la première prière que vous faites? Et vocês chrétiens, quelle est la première prière que vous faites? Oh Seigneur, opera, age, passa isso. Pourquoi vous ne dites pas de secret à Dieu? Por isso vocês não têm que dizer. Pourquoi votre foi est faible? Por isso a vossa fé é fraca. Montre-moi un chrétien qui prie toute la nuit en lingala ou en français ou en portugais, je te dirai, c'est un chrétien faible. Toda a noite em lingala português francês, ele é cristão fraco na fé. Montre-moi un chrétien qui prie toute la nuit en langue et quelques phrases en lingala ou en français ou en anglais. Je te montrerai un homme qui a une forte foi. Il montre-moi un chrétien qui ora toute la nuit en langue, sans algumas phrases en portugais, français, anglais. Il dit, je chanterai en esprit. Il scanderai en esprit. Je chanterai avec intelligence. Il chanterai avec intelligence. C'est d'abord la prière en esprit. Et première oration en esprit. Quand tu as beaucoup prié en lingala, après mon limo hier, après ta langue, c'est là où tu es faible. Non, j'espère que vous serez. C'est pourquoi tu n'as pas de témoignage, c'est pourquoi ta situation ne change pas. Puisque dans tes testimonies, ta situation n'a pas. Augmenter la foi. Par augmenter la foi. Et vous, c'est qu'à ta bouche, il y a la bouche. Ma quitte, c'est qu'à la bouche. Attends, il faut la vie. Par contre, c'est de la manière. Holy Spirit, ce que vous avez libre, malabacha, que le robot de Kabaya. Paul dit, je loue Dieu et je prie en langue plus que vous tous. Paul dit, je reste dans ce groupe, on est l'une plus que tous. Il n'a pas dit ici, comment tu peux quantifier ça? Non, comment vas-tu quantifier ça? Il est en train de dire, et dire, toi quand tu pries, nous quand on voit, tu passes de 0h à 6h en priant en français ou en lingala ou en portugais. Moi, Paul, je passe beaucoup d'heures en priant en langue. Paul, je prie beaucoup plus que vous autres en esprit. Il dit, je passe du temps en langue, quer dizer que eu oro mais do que vocês muitos são. Mas outro tempo ele diz, vous utilisez la prière en langue rare. E outro tempo ele quer dizer, usa uma certa língua. Ele diz, moi, c'est toujours, je prie en langue. Ele diz, todos os dias oro em língua. 5 mois d'intelligence. 10 000 mois langue. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? Et ce qu'il a dit? 10 000 mois langue. Quelques mots en intelligence. Ora, mas em Índia, algumas palavras intelligentes. Amen, à tout Dieu. Ou seja, eu vou agir. Ou seja, eu vou agir. Tem caminho para Isaías 100 testamentos. Deixa isso no Antigo Testamento. Dieu n'est plus impressionné par ça. Dans le Nouveau Testament, ça va dans combo moko. Jésus. Et l'Ancien Testament, nous avons un nom qui est Jésus. Alors, on est dans l'Ancien Testament. C'est dans l'Antique Testament. Acte 4, 12, il n'y a de salut à aucun autre. Là, on a sait, ma paix, si tu vas combo moko, et vous pouvez s'en lobby, le bico. Acte chapitre 2, verset 21, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pas les noms avec S, le nom, un seul nom, un seul nom. Ce nom-là, c'est Jésus. Il n'y a pas les noms, prêts. Je vais dire, je vais changer, je vous aime, Elohim. Dieu dit, laisse-moi ces choses. Je m'appelle aujourd'hui Jésus. Je me chame aujourd'hui Jésus. Je n'ai pas un autre nom, je n'ai pas un autre nom, c'est ça. Prie en langue. Ore et libre. Récoteau, passez par la bouche. Où se trouve Jéhovah Jireh? Où se trouve Jéhovah Jireh? Philippiens 4, verset 19. Philippiens 4, verset 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Où?
En Jésus-Christ, avec toi. Ok. Le nom de Jehovah Jireh se trouve en Jésus-Christ. Le nom de Jehovah Jireh se trouve en Jésus-Christ. Le Dieu de paix, Jehovah Shalom. Dieu de paix, Jehovah Shalom. Où se trouve la paix? Où est la paix? Où est la paix? Romains 5. Nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Et en Christ. Et en Christ. Tous les noms de Dieu. Dans le nom de Dieu. On est avalé par un seul nom qu'on appelle Jésus. On est livré par un unique nom qui est Jésus. Dans le Nouveau Testament, nous allons coucher. Dans le Testament, nous allons laïr. 40 ans. Eu para entrar na terra onde podiam fazer uma semana. A porta é que passaram por andar e morreram. E hoje nasceram. Orelha precisa de uma semana e alguns dias para entrar na terra. Este é o Antigo Testamento. O Novo Testamento é o atalho, o caminho curto. Deus tornou as coisas curtas. Um único nome juntou todos os nomes de Deus. Au nom de Jehovah Jireh, il vous donne, c'est ça. Est-ce que lui peut dire, non, Jehovah Jireh vous dira, et est-ce que lui? Allez, ça mène à comment Jehovah Jireh? Tu n'auras rien. Vous n'en terrez rien. Ça va changer. Dieu vous aime donc. On est là, ça va changer. Il a changé son nom. On donne son nom. Tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, Jésus. Tout le monde au Père, dans le nom de Jésus. Elle vous dira. Pas un autre nom. Non, autre nom. Jésus. Jésus. C'est pourquoi je l'appelle Jehovah Jésus. Pour ça, vous appelez Jehovah Jésus. É o único nome. E estou decepcionado por você ter muitos nomes de Deus. Todos os nomes são muito bons para fazer a decoração da tua adoração. Mas eu não tenho tempo para isso.